tous les grands de ce pays, Nemours Jean-Baptiste se retrouve aujourd'hui dans toutes les mémoires. Non pour s'être illustré dans un domaine universel, la musique, mais surtout pour avoir créé un rythme que nous vénérons et dansons tous depuis plus de 30 ans, le compas direct. Une histoire qui remonte en 1954 avec l'existence de l'ensemble au Calebasse, un disque dirigé par le feu maestro qui par la suite deviendra l'ensemble Nemours Jean-Baptiste, officialisé avec le fameux compas direct. C'était moi-même à Chico. Nous étions président dictatoire, Lucien Noël, qui était mené nos sodo. Et là, m'chita avec Chico, en bon titonnel. Ni Chico, est-ce qu'on veut l'énal Port-au-Prince? Nous faisons monter ensemble. Chico dit à mon choix qu'on est, c'est normal, il est bon, oui, si nous t'a fait. Nous sommes entrés dans le Entrer vrai, me former, si ensemble, non, je prends Mozadi Ozo comme accordéon, je prends Julien Paul comme chanteur, je prends trois Nosselin comme batterie, je prends frère qui conduit contre basse, je prends M. sous basse, et puis nous former ensemble. Nous sommes le Kounto international. 26 juillet, nous sortis, nous inaugurons la Sainte-Anne. Inauguré depuis l'arrêt de Kounto International. Kounto International, et pour un jour samedi, Jean-Numac vient chercher moi pour aller jouer 15 coffres. Et puis Jean dit, mais bon, après, il est ensemble au Calebasse. Il est ensemble au Calebasse. Si côté bas, il y a un petit problème, monsieur devine quitter. Monsieur vient quitter, et puis moi, mis entre l'autre musicien, Franck Bouillol comme saxophone, m'entrer Thalès, trompette. Et puis nous formons un petit groupe. Nous reformons un groupe là. Et pour que nous l'ensemble de Mouillon Baptiste là, c'est New York, nous allons avec Jean-Numac. Alors là, on a tourné, nous pas satisfaits. Et puis nous venons quitter la Caraïbe. Nous allons l'ensemble de Mouillon Baptiste. C'est fait qui année comme ça? Peut-être année 58. 58 comme ça. Nous venons relever le compas direct, c'est parce que toute musique que j'ai composée, j'ai composé son seul allure. Je ne vais pas mettre troisième accord là-dedans, ni accord accidentel. J'ai quitté le premier, deuxième. Alors, on marche, premier, deuxième, qui signifie, me dit, que je ne vais pas changer, et puis basse la marcher, un, deux, qui fait me dire, le compas direct. Compas direct. Eh bien, je fais mes rites là en 55. En 55, je fais mes rites là. C'est-à-dire que je ne connais que si rite là prend toute ampleur, ça a coulé. Mais alors, d'après moi-même, moi, ça me quittait pour Haïtien, son paquet à faire me quitter pour eux. Et je me contente tout, moi, je comprends. Ça me fait pour yo. Oui, j'ai dit même me satisfait de gens qui jouent là. Ils ont respecté le compas direct là parce qu'ils n'ont pas changé un deux. Gong n'a toujours marché. Cop, cop, pim, cop, 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 basse a toujours marché. Pim, 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 pim. Alors un seul bas, il a ajouté batterie, grosse caisse qui marchait. Même pas de compte marcher grosse caisse. Même de compte marcher avec Timbales. Et Timbal, dès qu'on bat là, dans un petit cloche. Vraiment, je joue très bien. Comment ça pense de cadence campagne hein? D'après moi-même, cadence campagne n'a pas jamais existé. Parce que c'est qu'on pas dire que le tape joué. Alors, là, tu as besoin d'il font bagaille et tout. Il dit que cadence campagne. Pas de cadence campagne du tout. Parce que si il y a une cadence campagne, il va jamais parler de ça. Chez nous, le proverbe dit c'est l'homme ou rire qu'on valait. Malgré sa mort dans la gêne, il est le premier artiste haïtien à être vénéré de son vivant par trois orchestres haïtiens, dont le Tabou Combo, hommage à Nemours Jean-Baptiste, et le Sugar Combo. Lipa banou l'argent, lipa banou travail, mais lipa nou compas,
faut que nous vénérer, tant que l'Europe te vénérer Mozart. Pour le 25e anniversaire du compas, le Mini All-Stars reprit un triple album avec 20 titres d'or de Nemours, allant de Fanatique Compas, Compas 3T, Ticarol, jusqu'à Tioul numéro 3, l'un des plus grands succès du compas direct. Si Nemours, en tant que créateur, n'est plus, son rythme continue à inspirer beaucoup de musiciens qui l'ont arrangé, orchestré d'après leur feeling, juste pour le moderniser et l'harmoniser beaucoup plus. Tel a été en 1964 avec les mini-jazz comme Tabou Combo, Chle Chle, Frères des gens, Les Difficiles, Les Gypsies, etc. 1970 avec le DP Express, le Scorpio Universel, L'Aile Noire, Chanel 10, etc. De 1979 à nos jours est arrivée la nouvelle génération, la nouvelle conception du compas avec de nouveaux sons, nouvelles visions et d'autres objectifs d'internationaliser le compas. C'est un rythme comme tous les rythmes internationaux. Si Nemo Jean-Baptiste, le bâtisseur, le créateur, était toujours vivant, il serait content d'entendre et de comprendre l'évolution de son rythme compas direct, qui est incontestablement le rythme populaire d'ambiance de la musique haïtienne. Que Nemours ne soit jamais oublié afin que le compas puisse évoluer. Nemours rendit l'âme le 18 mai 1985, au moment même où étaient célébrées à New York les funérailles de Timano, de son nom Antoine Rossini Jean-Baptiste. Même nom, Jean-Baptiste, même combat, la musique.